Ou pas pas bon moquer d'encouragement. Comment pas bon encouragement. Et pas mais qu'encourager chéri. Côte ça là. Ou pas imaginer l'aime fin quitter zone ça là. Mal en dehors, mal en l'autre côté. M'a gagné accès pour me prendre l'argent. Ça veut dire m'ta vivre ensemble avec ou faire vivre ensemble avec. On a gagné assez de corps pour me faire vivre. Soit bon kounya là ou bon parole pour faire me dodo mea. M'a bon parole pour dodo mea, mais l'aime nous fin déplacer nous même nous fin aller côté nous pour aller. N'a fait toute bagarre, toute soir on mandé là, on jeune ni matin midi soir. Anna. Sac dans vent tout, c'est lick bon. Soit bon mon bagay, commencer faire me bail là pour me connaître. Bon. Ah bout de brite, soit oh. On pas capable moi en bas avant tout. Ah, on va aimer ça non. Et comme soit pédé mon besoin bagay en retour. Comment tu? Même tu connais longtemps l'argent était l'argent que tes priorités ou encore pas de priorité. Non là. Dans la nuit du 12 au 13 août de cette année, Madame Anastasia a impitoyablement assassiné son mari dans son sommeil. Un sommeil que ce dernier croyait réparateur. Mais malheureusement, Madame Anastasia Joseph l'a transformé en un sommeil destructeur, dévastateur. Le lendemain, la police judiciaire constata le corps de Monsieur Daniel sans vie sur son lit conjugal. Un des agents de cette unité, lors de son témoignage, affirma que c'est la première fois de toute sa carrière qu'il constata une scène de crime aussi effroyable, aussi affreuse. Madame Anastasia Joseph a lâchement, a sauvagement assassiné son mari. Sur les mots de Jean de La Fontaine, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Madame Anastasia Joseph, vous aviez voulu tout gagner, mais hélas, vous êtes traînée par devant les tribunaux. Mesdames et messieurs, telle une mouche prise dans l'engrenage des ambitions négatives de cette vie marâtre, Daniel Etienne a été broyé, écrabouillé, pulvérisé par sa femme, Anastasia Joseph, que voici ici présente. Cette Jézabel des temps modernes, cette reine des malices infernales qui a su concocter le meilleur des plans pour pouvoir jouir de cette ascendance économique que pourrait lui procurer les fortunes de son mari. Mais hélas,